Salut à tous, c'est Guillaume et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle, version globale cette fois-ci. Comme vous pouvez voir, je suis accompagné de l'Arpette qui est juste à ma droite, parce que en fait, vous l'avez compris, c'est son compte. Là, on est sur le compte global de mon petit, et d'ailleurs, pour vous le montrer, hein, vous voyez, hein, de toute façon, vous voyez bien, le rang, il est que niveau 49, alors que le mien, j'approche du niveau 280, je crois. Donc, c'est son petit compte à lui. Donc, du coup, on profite de l'événement concernant le Goku Migate no Gokui, donc le Goku Ultra Instinct, comme on l'appelle dans la version française, mort de rire, pour justement claquer quelques DS. Le compte étant débutant, donc forcément le farming, on le fait un petit peu comme on veut. Et là, il a 150 DS à mettre de côté, donc on va aller voir ce que ça donne. Donc effectuer une invocation simple pour obtenir des sucres d'orge de chaque type et un ticket de Noël. Ticket de Noël, apparemment, qu'on pourra utiliser ici. Donc là, toutes les 5 invocations simples... Alors attends, on va pas aller trop vite. Donc ça, c'est le portail classique, on peut y aller que avec des singles. Là, c'est le portail avec les tickets de Noël, donc un perso SSR garantit toutes les 5 invocations, donc toutes les 5 singles. Et là, donc on a un perso SSR par multi-invocation. D'accord, ok. Parce que sur celui-ci, tu vois, on peut avoir des petits objets sympas, et puis on peut avoir des tickets de Noël qu'on pourra utiliser ici, et ici. Donc du coup, tu vois, ça te laisse plein de chances de choper le Goku Ultra Instinct. Alors, t'as vu les persos qu'il y a dans le détecteur ou pas? Ouais, tu te rappelles plus? Ouais. Ouais, c'est pas grave, tiens, regarde, on va regarder dans mon moule. T'as lui, hein, forcément. Donc, Super Gogeta, j'ai déjà, par contre. Bah ouais, toi, ouais, lui, il a eu la chance de l'avoir, le Gogeta intelligent, sur son compte, hein. Moi, ma cache, hein. Après, qu'est-ce qu'on a? Ah, le Kid Buu, lui, il est très bien aussi. Lui, il faut essayer de l'avoir. Lui, ouais, il est très bien. Ouais, il faut essayer. Alors, ah! Le fameux Goku SSJ Blue Kaioken. Ouais, il faut aussi que je l'avoir. Je le veux sur mon compte global, lui. Donc, le Vegeta SSJ Blue aussi. J'y ai pas. Il serait très bien dans la team intelligence. Mm-hmm. Lui, il faut essayer de l'avoir. Tu vois, il serait parfait avec ton équipe intelligence, avec ton Gogeta, il serait très bien. Mm-hmm. Vegeta Blue. Ah, bah, Vegeta Blue, on passe pas à côté. Ouais. Black Rosé. Voilà. Zamasu fusionné. Lui aussi, il ferait plaisir. Mm-hmm. Beerus, j'y ai pas en plus. Voilà, et Beerus. Puis après, il y en a d'autres, hein, des persos. Il y en a plein. Tu vois, regarde. Il y a tout ça comme perso dedans. C'est à toi, c'est ton compte, donc je te laisse faire. Tu te souviens comment ça marche? Ouais, je pense qu'il faut cliquer ici. Ouais, mais par contre, faut que tu te mettes bien sur le carré invocation. La flèche. Alors là, où est-ce qu'elle est la souris? Fais voir, montre-moi. La souris, tiens, regarde, tu vois, je te la mets dessus directement. Voilà. Et c'est parti, on va voir. On espère que tu auras du bol. Allez. Alors, on commence par quoi là? On commence par 2 capsules. Bon, ok. Oh, relâche arc-en-ciel, il se transforme, bon. Peut-être tomber au moins un SR pour commencer, sur la première signale, ce serait pas mal. A voir ce qui tombe. Bah, non. Oh! Vegeta Blue! Oh! Du premier coup! Du premier coup! Cette première signale, mon pote! Premier coup! GG! Elle est bien, celle-là. Bravo! Franchement, sur la première single, c'est cadeau. Eh bah, lui, il faut qu'on montre un UR, il va me servir. Oh oui, il va te servir, lui. Cette première single, mon pote. Alors regarde, tu vois, du coup, on gagne des sucres d'orge et on gagne un ticket de Noël. Ouais. Et tout ça, faudra aller les chercher dans la boîte à cadeaux. Allez, bon, bah on continue. C'est pas le perso que tu voulais, mais bon, en attendant... Ouais, si, c'est sûr. Bah si, ouais. Si, il est quand même utile. Si, il le fallait, si, lui. Si. Vas-y, je te laisse faire. Ah ouais, ok. Attends, t'as vu, la suivante, elle coûte plus 5 pierres. Elle en coûte 15. Ok. Ah, il faut faire gaffe à ça. Non, bah vas-y, je te laisse faire. Ah, faut faire attention, en fait, c'est un genre de step-up, quoi. T'inquiète, c'est bon, c'est une multi qui va... Oui, celle-là, effectivement, c'est une multi-invocation, et du coup, ça permettra... Alors oui, ça change, effectivement. Premier palier, donc c'était une single où on avait un sucre d'orge de chaque affinité plus un ticket de Noël. Là, on part sur une multi qui va coûter donc 15 DS et qui va permettre d'avoir un Kamessénine de Noël et un ticket de Noël aussi. Eh ben, écoute, vas-y, hein. Fais-toi plaisir. Ah, t'as du mal à cliquer, vas-y. Ouais, voilà, parfait. Ah, c'est compliqué les débuts, hein, c'est compliqué. C'est compliqué, oui. Alors. Une grosse capsule, ok. Il va aller voir, il va me le tomber. Il va me le tomber, ce petit fumier. Il va me le tomber, le Goku Ultra Instinct, vous allez voir. Non, si on commence à lui l'avoir, faut qu'il se transforme en Super Saiyan 3. Tu vois. Pas forcément, le Super Saiyan 3, ça veut juste dire que tu as un SSR, que tu as forcément un SSR dans ta multi. Vas-y, je te laisse cliquer. Alors c'est une multi de combien? Ce serait étonnant que ce soit une multi de 10, ça doit être une multi de 5. Vas-y, clique, hein, tu peux passer tout ça, on peut vite passer. Vas-y. Gohan. Ah, donc c'est une multi à 3 persos, ok. Donc tu gagnes. Ah, Tortue Géniale de Noël. Le Tortue Géniale, en fait, ça marche comme les vieux Kai. Ça augmente l'aspect des persos. Elle a un ticket de Noël. Il a quand même 9 vieux Kai qui traînent dans la box.
ça passe. Alors ensuite, là, on a de nouveau donc une multi, cette fois-ci à 30 DS, pour obtenir 3 tickets de Noël. Vas-y, si tu veux continuer, je te laisse faire. Oui. Bon, bah, vous m'excuserez, je suis au café. Hein. Vas-y, c'est pas grave, tu fais OK. T'inquiète pas. De toute façon, il y a des entraînements de perso à faire après. On ira faire de la place dans la box. T'en fais même pas pour ça. C'est bon que je viens bien. Alors, le Satan par la droite. Non, au milieu. Enfin, il est passé à droite. Je joue pas sur les mots. C'est sûr. Bon, pour c'est J2. Bon. J'ai du bouton des super saiyans. Ah, vas-y, vas-y, tu peux passer tout ça. Non, ça, vas-y, passe, passe, passe. Alors, là, c'était une multi à 7. 7 persos, donc que des SR, au mieux. Enfin, il y a eu 2 SR, je crois. Et tu, au coup, tu as gagné 3 tickets de Noël. Oui, 2 SR. Il y a eu 2 SR dans le lot. Bon, c'est pas foufou. Hein. Donc là, comment ça se passe? Ah, et puis là, du coup, ça rip-up. Ok, ça retourne à 0, là. Ah, ok, donc on peut retenter la single et tout. Ah, tu veux continuer? Oui. Eh ben, vas-y. On va essayer de se faire un max de tickets. Hein. Écoute, là, on peut se faire, en gros, 5 tickets avec 50 DS. Donc, t'as moyen de te faire 15 tickets. 15 tickets? C'est pas mal. C'est pas mal, 15 tickets, déjà. Il y a moyen de faire des choses avec ça. Alors, qu'est-ce que tu nous chopes sur cette single, là? Un bon vieux guéro bien pourri. Bon, c'est moche. Putain, n'empêche, toi, tout à l'heure, avec ta chance, là, hein, le truc incroyable. Oui, j'ai tombé là. Les premiers coups, là, j'y arrive plus. Mais t'inquiète, ça va revenir. Faut pas que tu t'inquiètes pour ça, tu sais, c'est vraiment au hasard. De toute façon, t'inquiète pas pour tes pierres. Ton compte, il est débutant. Il y a largement de quoi en refaire d'autres. On a jusqu'au 6 janvier pour essayer de choper Goku. Si on ne l'a pas ce soir, je réessaierai de te choper des pierres pour que tu puisses réinvoquer plus tard, si tu veux. Parce que toi, dans le portail, tu veux qui, en fait? Dans le portail, bah, vous l'avez vu, Vegetobu et Goku. Ah bah, t'en as déjà un sur deux. Mm-mm. Et les autres, ils t'intéressent pas? Si. Si? Lesquels, ils pourraient t'intéresser? Goku et Vegeta. Lesquels? Vegeta Blue? Oui, et Goku en Kaioken. Ah, oui, aussi, oui. Il a pas des goûts de merde, ce petit. Et là... Non, décidément, le jeu, il veut plus te donner des CSR. Il va te donner des tickets, mais les CSR... Ça y est, il t'a donné un maximum de chances dès le départ. Bon, encore du coup de quoi augmenter l'aspect, encore un ticket de Noël, donc ça c'est cool. Et donc là, du coup, tu peux refaire encore la multi à 30. Il y a encore de quoi, faire des invocations. Hein. Oh, ça sent bon. Là, t'as forcément un SSR dans ta multi. Là, là rien. Vas-y, descends et lâche tout. T'as forcément un SSR qui tombe là. Ouais, je pense aussi. Croisez les doigts. Est-ce que c'est le bon cette fois-ci? Donc t'en as au moins un dedans. Ah, attends. Coucou. Non, non, c'est le Gohan que t'as eu tout à l'heure. C'est qui lui? C'est Oob. Donc non, c'est pas bon. Là, c'est le Tenshinhan. Non. C'est Mai. Ah, SSR. Mai SSR, ok. Bon, est-ce que bien c'est qu'elle stun? Elle était dans le portail, elle. Ah ouais. Bon. C'est chiant d'avoir Shenron pour avoir Mai, quoi. Merde. À moins qu'il y en ait d'autres. Est-ce qu'à tout hasard, il y en aurait au moins un autre? Mais cool. Non? Ah bah non. Non, 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 c'était ça ton SSR. Ok. Donc c'est pas... T'as eu Mai, donc un nouveau SSR que t'avais pas encore. Mmh. Et du coup, 3 tickets de Noël supplémentaires, on est déjà à 10. C'est cool ça. Après, faut pas oublier, faut aller chercher les tickets dans la boîte à cadeaux. On n'a pas encore fini tes invocations après. Oh! C'est un SSR qui tombe. Il y a un perso et tu vas être foutu de choper un SSR dedans, quoi. Oh là là, mais la chance de ce gamin, quoi, c'est incroyable. Je confirme que oui. Ah, manquerait plus qu'il me claque un SSJ3 ou un bye bye dégâts ou je sais pas que l'autre joyeux était là-dedans. Ouais, coucou. Tiens, ah non, Vegeta, allez. GT SSR. Un Vegeta GT SSJ3. C'est bien ça, encore un SSJ3. Ça commence à être bon de pouvoir commencer à accumuler ces persos-là, parce que je vous rappelle que sur la version japonaise, ils ont ajouté la catégorie SSJ3, dont le Bardock SSJ3 est le leader. Et donc là, il a déjà, t'as le Goku GT puissance en SSJ3, t'as le Goku puissance SSJ3, t'as le Goku agilité SSJ3, maintenant t'as lui, faut essayer, allez, franchement. Mais il est dur. Ah, mais c'est le perso que tout le monde veut dessus, quoi, c'est le perso le plus dur à obtenir, je pense. Enfin, j'en sais rien, je connais pas les taux de drop, mais Oh, le relâche arc-en-ciel, il se transforme pas. Ça sent le bye-bye des gars, ça. Hein? Ça, c'est un bye-bye des gars. Oui, le SSR derrière. Il s'est pas transformé, bien joué. Trunks. Oh, d'accord. Un Trunks,
Ouais, Super Saiyan, PV. Qu'est-ce que c'est que cette unité? Qui plus de PV attaque et défense plus 20% pour les types tech et endurance. Ah, mais c'est Attaque peut-être. plus 20%. C'est peut-être qu'il peut monter en l'air Goten. Non, j'ai pas souvenir que ce soit un Trunks. De toute façon, non, j'ai pas vu qu'il y avait de LR dans ce portail. Farm, Alors, le C19, non, on s'en fout. Ok, bon. Écoute, encore un CCR supplémentaire. Je connaissais pas ce Trunks. Attaque plus 80% et en plus dégâts encaissés réduits de 40% si la garde est activée. What? C'est un tank DPS? Triple Kamehameha? Ah, c'est ah, d'accord, ok, je sais lequel c'est le Trunks. Si, le triple Kamehameha, c'est le Trunks de Broly. Avec Bio Broly. Regarde, regarde, ça, attends. Est-ce qu'on peut voir sa spé? Non, on peut pas. C'est le Trunks avec. Si, on peut là. Non, on peut pas. Oui, oui, ça c'est le Trunks avec Bio Broly. Moi, j'ai sur mon compte japonais, je crois, j'ai le Goten de, qui va avec Bio Broly. Et t'as un Krillin qui va avec aussi. Et là. Ah, ok, on... c'est celui-là. D'accord, ok, très bien. Allez, vas-y, la dernière multi avec les DS, parce qu'après, il faudra qu'on aille faire les invocations avec les tickets. Il te restera une pierre. La dèche intégrale, quoi. Allez, un SSR là-dessus. Oh, y'a rien du tout. Il se transforme pas, mais pas de multicolore, c'est bizarre. Oh là là. Je suis tombé loin. Ah, attends. Ouais, bon, bah lui, non. Ça sent pas bon, là, quand même, cette histoire. Hein. Ouais. Ah, lui, il faut le garder. Il pourra passer SSJ3 quand Bardock arrivera sur la globale. Bon, bah, dis donc, la dernière, pas formidable, hein. Bon, on va aller chercher tes cadeaux. On va aller chercher des cadeaux. Tout est dans les cadeaux, donc on va tout choper en même temps. Bah, t'as cadeau. Ah, d'accord, puis là, maintenant, tu vois... Ah, c'est marrant, ce portail-là, maintenant, c'est une fois qu'on en a fait trois... Là, on a fait trois séries de step-up, là. Effectuer une multi-invocation pour obtenir une quantité aléatoire de tickets de Noël. Ok. Et avec 50 pierres en plus. Ouais, 50 pierres, donc il va falloir faire de la pierre. Oui. On va pouvoir en faire, il n'y a pas de problème. Alors... Du coup, on peut aller là-dessus. Il te reste, alors, un perso SSR garanti toutes les 5 invocations simples. Mais là, il me dit qu'il en reste 4. Oui, 4 invocations avant d'avoir le SSR. Ok. Et là, donc, on en a un SSR garanti par multi. Ce que je peux te proposer, c'est que tu fasses 2 multi, et tout le reste, tu le fais ici. D'accord. Si ça te va comme ça. Ouais, ça me va. Ok, vas-y. Comme ça, au moins, t'es sûr de choper 3 SSR. Bon, il devrait être dedans normalement. Enfin, à partir de là, je veux dire. Voilà, Shenron. Même Shenron, voilà, c'est normal. Shenron. Oui, Shenron, mais on savait, c'est normal. Shenron, il te dit qu'il y avait un SSR dedans, mais on savait déjà qu'il y aurait un SSR. Allez. Pas le 3. Le Goku, attention. Donc, non, c'est pas lui. C'est pas lui non plus. Toujours pas. Sauzer, normalement, il est là. Yay, le Vegeta Intelligence. Impec. Allez, il ira très bien avec ton Gogeta, celui-là. Ouais, alors là, ça me fait un Vegeta bleu et un Vegeta bleu en SSR. Le GG du Vegeta, impeccable. Allez. Bon, on se rapproche. On a Vegeta bleu. Vegeta bleu. Maintenant, faut passer au-dessus du bleu. Il faut l'ultra instinct. Allez, let's go. Non mais au-dessus du Blue, c'est au-dessus du Kaioken, le Strain Instinct. Ah pardon, oui, excuse-moi, c'est vrai, il y a le stade du Kaioken que j'avais oublié, autant pour moi. Vers la gauche. Bientôt, je vais me faire reprendre. La flèche. Elle est là, regarde. Il se transforme pas. C'est pas grave. On sait qu'il y a un SSR dedans. Oui. Voilà, ah, le bye-bye les gars. Alors, non. SR. Oh, C18. En SSR. L'agilité. Donc, sachant que t'as déjà une C18 force. Eh, mais c'est C18 du futur. C'est la méchante C18, ça, oui. Alors. Ah. Est-ce que oui, ça veut dire qu'il y a deux SSR dans cette multi ou. Non, mais. Mais oui. Végéto. Doublon Végéto Blue. Allez. Mais ah. J'ai déjà. Mais c'est très bien pour son arbre de compétences, justement. Il faut des doubles pour son arbre de compétences. Quoi? Mais c'est très bien. Merci. J'ai jamais réussi
à avoir un seul foutu doublon depuis tout le temps que je farm sur Goku, sur Vegeto Blue. Lui, il arrive, première single, il en chope un, maintenant il chope un doublon, quoi. Non mais, what the fuck de ce gamin. Un troisième Beerus. Merci beaucoup. 3 SSR sur 5 persos. Ouais. Eh mais toi, mais t'as le cul bordé de nouilles. Je suis trop fort. Moi j'ai trop le seum. Mais t'es que je suis trop fort. Et pourquoi tu le fais pas sur ton compte? Parce que j'ai pas encore assez de pierres. Faut que je continue. J'en ai pas beaucoup de pierres. Voilà. Alors là du coup tu as le choix. Parce que là on a fait des multis depuis tout à l'heure. T'as quand même été super chanceux sur les multis. Mais tu peux aussi faire des simples. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais le faire. Tu le fais en simple ou en multi? En simple. En simple? Allez, je te laisse faire. 40 persos en trop. Oh putain, il va falloir faire de la place. Hein. Il se transforme pas de chenin ni de multicolore. On va voir. Des fois, ça veut tellement rien dire, des fois, les animations. Bon, là, c'est un étron. Effectivement, c'est un bel étron coulant. Formidable. Vas-y, je te laisse faire la suivante. De toute façon, c'est ton compte, donc tu vas toutes te les taper. Oui, je sais. Si ça tourne à droite. Alors, bling, 2, allez, 3. Non, bon, ok. Il veut pas. Le signal, le 3, c'est difficile d'y avoir. Oh, je le sais bien. Oh, oui, je le sais bien d'avoir le CG3. C'est pas facile dans les cinématiques, pour te dire. C'est pas grave, regarde. Vas-y, continue. Tu vas voir. Tu auras forcément, à un moment donné, un SSR qui va tomber. Et si t'as pas le Goku ce soir, tant pis. On va faire un autre jour. Faudra le faire avant le 6 janvier. On a presque 2 semaines de... Oh, c'est en gauche. Ah merde, il s'est transformé. Ah, crotte de bique. Mauvaise idée. Pas ah, bon, ça peut quand même donner de bonnes choses. Là, non. Là, non. En l'occurrence, non, absolument pas. Tu vas voir, après, t'auras ton SSR garanti. Comment tu sais? C'était marqué. Je l'ai dit tout à l'heure. T'écouteras. Oh, encore par la gauche. Attention. Attention. Ah! Mauvaise idée. On peut peut-être avoir un SSJ3 pendant la cinématique. Non. Ah, ça y est, 2. Non. Et un Trunks. Bon, c'est bien, ça donne du SR depuis tout à l'heure, mais non. Nya. Et là, voilà, c'est bon. Fonce. Normalement, là, t'as ton SSR garanti dans celle-là. Cette pluie de SSR n'empêche. J'ai eu 4 SSR en tout. Voilà, le Shenron, donc effectivement, on a bien le SSR. Oh, t'as eu plus que 4 SSR. Hein. Faut qu'on va regarder dans ta box tout à l'heure, mais juste après, là. Mais, non, mais je parlais des avocations que moi j'ai faites. Ah, peut-être. Alors, attention, on regarde pas, c'est la surprise, on regarde pas. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là, le Goku? Ah, c'est pas le bon! Merde! On était presque! C'est pas le bon! Bon, tu l'as déjà, celui-là. Tu l'as déjà, mais c'est pas grave. Ça te fait encore un doublon. Alors. Attends, c'est tout nécessaire, là. Qu'est-ce qu'on a eu de nouveau dans cette box? On a eu, donc, la C18 Agilité, le Goku Blue Agi, qui était déjà là. D'ailleurs, je sais même pas où il est. Bon, je sais même pas où il est. Donc, le Trunks SSR Tech, le Beerus Tech, la Maille... le Vegeta Blue, le Vegeta SSJ3, et ton petit doublon quand même de Vegeto Blue. Papa, tu sais pourquoi Goku, le deuxième Goku en Super Saiyan, il y a une Blue, il n'est pas là. Oui, parce qu'il est en UR. Oui. Je viens de m'en rappeler. Voilà, si on met le UR, il est là. Voilà, je sais, je m'en suis rappelé, t'inquiète, j'ai compris que j'avais dit une bêtise. Bon, t'es quand même content des persos que t'as eu? Oui. Ouais, c'est cool. Bon, bah écoute, on essaiera de se refaire des pierres et puis avant le 6 janvier, du coup, pour essayer de réinvoquer sur ce portail, puis essayer de choper ce Goku-là, quoi. Ok? Oui. Ça marche. Bon, bah écoutez, voilà ce que vous pouvez dire aujourd'hui pour cette session invocation, donc sur mon compte, le global, secondaire, donc le compte, là, à la répète, là. Donc, de bons petits drops, mais bon, faudra qu'on réessaye un petit peu plus tard. N'hésitez pas en tout cas à réagir avec ce que vous avez vu et entendu dans les commentaires de la vidéo par Facebook, Twitter, le nouveau Discord. J'insiste bien, le Discord, encore une fois, a été mis à jour. Le lien est dans la description, donc vous cliquez bien dessus pour pouvoir vous rendre sur le nouveau serveur. Merci à vous d'avoir suivi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Portez-vous bien, et puis bah, on vous dit à la prochaine. Ciao!